Bonjour tout le monde, hello! Alors, je vais attendre, hop, tête synchro partout, voilà, ok. Hey, bonjour tout le monde, comment ça va? Et regardez, j'ai réussi à bien me cadrer pour cet épisode-là. Hello, hello à tout le monde. Je vois qu'on a beaucoup de Français qui se sont connectés ce matin. Nous ici à Montréal, on a un espèce de temps, mais vraiment très fin de janvier. Il fait gris, il y a de la neige qui est en train de poudroyer un petit peu en colère dans tous les sens. Donc voilà. Mais j'étais tellement contente, j'étais dans mon lit ce matin. Sous mes couettes où il faisait tellement bon et tellement chaud. Et je savais qu'en y mettant un pied en dehors, ça allait changer complètement ma chaleur corporelle. Et vraiment l'idée de « Hey, mais je vais m'asseoir avec vous, même si je suis dans mon petit studio là, je vais m'asseoir avec vous, puis on va voir des petites choses vraiment intéressantes. » Et bien c'était genre « Hey, le soleil, c'est la météo, elle est au beau fixe et je me suis levée, voilà. » Donc merci vraiment d'être là, c'est toujours un plaisir de me réveiller le dimanche matin. En sachant qu'on va partager ces moments ensemble. France qui nous dit, ici il fait moins 30 degrés en Alberta. Oui, je sais pas, Montréal, je sais pas, les amis à Montréal, je pense qu'on doit être dans les moins 8, moins 10, enfin bref. Il fait froid et il fait neigeux grisou. Allez, alors aujourd'hui, qu'est-ce que l'on va voir? C'est notre épisode 2 aujourd'hui, c'est le moment où on va avoir les rangs raccourcis qui vont permettre de former l'encolure, hein. Donc on va tricoter plus de rangs dans le dos, et raccourci ça veut dire qu'on ne va pas tricoter la partie du devant, donc ça va élever le dos et abaisser le devant et former donc l'arrondi de notre encolure, et nous allons ensuite commencer la charte 1, donc la charte qui va faire les premiers motifs. Donc je vous montre un peu ce que ça veut dire. Donc si vous regardez le fairy bouquet, voilà, le fairy bouquet qui est terminé, donc on peut voir, vous pouvez voir ici qu'on a plus de hauteur, donc c'est ce qui a été fait avec les rangs raccourcis. Nous allons voir les rangs raccourcis à l'allemande, puis nous allons ensuite voir cette portion là, donc c'est la charte, hop, je vais essayer, voilà, avec ce point là qu'on appelle le petit point papillon. Donc c'est vraiment très intéressant, vous pourrez ensuite l'utiliser sur d'autres accessoires, mais vous voyez les petits, voilà, les petits fils qui dépassent et qui sont ensuite interrompus par cette maille-là. Voilà, donc ce petit point papillon. Et ensuite, nous avons aussi le petit motif comme ça. Donc, qui part d'un nœud et qui est entouré ensuite par une petite rangée de jeter. Donc fairy bouquet, on pense en effet à ce point papillon, fait un peu penser à des ailes de fées justement. Voilà, ben, ça c'est mon imagination qui s'enflamme, donc donc voilà. Ok, donc on va commencer, on est sur la page 4. Normalement, hop, je vous montre moi où est-ce que j'en suis rendue, c'est votre devoir pour la semaine prochaine. Donc normalement, je vous ai demandé de faire les 4 cm de côte 1-1 torse. Et notre travail aujourd'hui, eh bien, on va se rendre jusque-là. Donc les rangs raccourcis, comme je vous disais. Et puis ensuite, la charte avec le point papillon, le petit nœud et puis les petites choses. Donc on est sur la page 4, vous avez fini les 4 cm de côte 1-1 torse et là on vous dit répétez, on vous dit qu'on va changer avec les plus grandes aiguilles, donc les aiguilles 4.5. Alors déjà là j'ai un conseil à vous donner. Avant de commencer le rang raccourci numéro 1 et de le commencer avec les aiguilles 4.5, je ne vous le conseille pas. Pourquoi? Puisqu'un rang raccourci, ça veut dire que l'on va travailler pas
tout le rang. Donc vous allez vous retrouver à commencer avec vos 4.5, mais en ayant le reste des mailles sur votre enseigne aiguille, sur les aiguilles 4 mm. Et c'est très facile dans ces cas-là de se retrouver à travailler encore toute la partie des rangs raccourcis avec les 4 mm. C'est un petit peu avoir votre tricot entre deux chaises, le fait de travailler avec ces deux aiguilles. Donc c'est pas marqué dans le patron, moi je l'ai fait parce que ça m'évite les erreurs, mais je vous conseille de commencer en faisant un rang tout à l'endroit avec vos plus grandes aiguilles. Donc ça c'est pas dans le patron, c'est mon conseil pour être sûr de ne pas vous retrouver à travailler avec les aiguilles 4.5 et 4 et de mélanger les deux aiguilles, d'accord? Donc on finit les côtes 1-1 torse et après on prend notre plus grande aiguille. Donc dans mon cas, à cause de mon échantillon, mes plus grandes aiguilles c'est les 4 mm, mais peut-être que pour vous c'est les 4.5 ou les 5, qu'importe. Vous allez d'abord faire un rang tout à l'endroit avec les plus grandes aiguilles pour transférer, excusez-moi, pour transférer vos mailles de la petite aiguille à la plus grande aiguille, d'accord? Donc ça va vraiment vous éviter de vous retrouver à travailler avec les deux aiguilles et à vous mélanger un petit peu les pinceaux, ok? Donc je rajoute une petite ligne. Une fois que l'on a terminé les côtes 1-1, on fait un rang tout à l'endroit avec les plus grandes aiguilles. Et là, on va commencer les rangs raccourcis à l'allemand. Donc quand on voit en anglais, il y a marqué short row 1, donc short pour court, le petit rang raccourci numéro 1, et il va se faire sur l'endroit. Et si vous regardez bien, on vous dit knit 3, make 1 left, et entre parenthèses 3 times. Alors je vais revenir tout de suite sur cette façon de lire un patron, parce que les techniques en tant que telles, elles s'apprennent rapidement, mais la compréhension et la lecture d'un patron, souvent, c'est là que les bugs arrivent. Donc, si par exemple, je vois écrit « knit 3, make 1 left 3 times », donc 3 fois, ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est entre parenthèses, c'est l'opération que je vais répéter. Donc, dans ce cas-là, c'est 3 mailles à l'endroit, une augmentation intercalaire que je vais faire 3 fois. Ok, et après ça, on me dit tricoter entre 3 et 4 mailles selon les tailles et tourner le travail. Donc très très important, à chaque fois que vous avez une opération à faire qui est entre parenthèses, c'est ce que l'on va répéter le nombre de fois qu'il y a indiqué. Donc par exemple, hop, où est-ce que j'ai mis, ça y est, ah, voilà. Donc par exemple, j'en étais sûre, j'ai utilisé le Sharpie. Ah, Céline, Céline, Céline. Ok. Alors, par exemple, dans notre cas, le premier rang, on est ici. Là, c'est le marqueur du début du rang. Et on me dit, vous allez travailler 3 mailles en droit et une augmentation intercalaire 3 fois. Donc, je fais mes 3 mailles en droit. Ici, j'ai ma première augmentation intercalaire. Puis, donc ça, c'est ma première répétition. 3 augmentations intercalaires. Puis, à nouveau, 3 augmentations intercalaires. 3 augmentations intercalaires. OK ? Donc, j'ai répété une fois, deux fois, trois fois. Et après, on me dit de tricoter entre 3 à 4 fois. Ça dépend vraiment de votre taille. Donc, vous entourez bien sûr le chiffre qui correspond à votre taille. Donc, dans mon cas, c'est 3 fois. Puis, turn work. Alors, dans les... Ok, donc j'espère que vous avez bien compris le fait de lire ce qu'il y a entre parenthèses. Au niveau des abréviations, là, sur le premier rang, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit le K, on était déjà revenu là-dessus. K en anglais, ça veut dire knit, ça veut dire tricoter vos mailles à l'endroit. Ensuite, make one left, je vais le remontrer dans un instant, c'est les augmentations intercalaires gauche. Je vais faire un petit rappel, évidemment. Donc,
M1L, augmentation intercalaire gauche. Donc si j'ai K3, ça veut dire 3 mailles en droit. C'est vraiment facile. En anglais, c'est toujours plus facile. Les abréviations sont très très claires. TW, en anglais, ça veut dire turn work. Donc c'est très simple. Ça veut dire quoi? Tourner votre travail. C'est pas bien compliqué sur ce coup-là. Donc les augmentations intercalaires. On voit tout de suite la première augmentation intercalaire gauche. Je vais aller rapidement parce que c'est on l'a souvent beaucoup vu, mais je fais un petit rappel. Ça ne fait jamais de mal. Ok. Ceux qui veulent faire le shadow wrap peuvent tout à fait décider d'y aller en shadow wrap. Ça va fonctionner aussi. Là, je vais montrer le German Short Row parce qu'il est expliqué dans le patron. Mais si vous savez faire le shadow wrap, ça sera aussi un bon équivalent. Donc, augmentation intercalaire gauche. Comment est-ce que je fais ça? Avec mon aiguille de gauche, je vais venir soulever le brin intercalaire, donc qui est entre la maille de droite et la maille de gauche. Donc, le brin intercalaire, vous le voyez. C'est le petit brin, c'est le petit pont. Voilà, le petit pont entre ma maille de droite et ma maille de gauche. Donc, je viens le relever, et ce qui est important, je viens le relever de l'avant vers l'arrière. Donc, maintenant, j'ai une nouvelle maille, une maille qui a une grande patte et une petite patte. Et dans l'augmentation intercalaire, ce qu'il faut se rappeler, c'est que je tricote toujours la petite patte. Donc, dans ce cas-là, la petite patte est à l'arrière, je vais venir tricoter donc dans le brin arrière. Voilà. Et ça me donne une augmentation qui ne fait pas de trou. Et on l'appelle augmentation intercalaire gauche, puisque dans le croisement de la maille qui a été créée, puis vous voyez, c'est une maille. Vous voyez cette maille-là? À la différence des mailles normales, une maille normale, elle a deux pattes qui ne se touchent pas, c'est deux pattes qui sont parallèles. Hein, c'est un petit rappel, ça fait toujours du bien de bien comprendre ce qu'on fait. Donc ça, c'est une maille normale, elle ressemble à un petit cœur. Quand on fait une augmentation intercalaire, on veut créer une maille, mais une maille qui ne va pas faire de trou, une maille qui va creuser sa petite place. Hein, elle va se faire une place, mais en se faisant toute petite et en ne faisant pas de trou. Et pour ce faire, on va la torser. Parce que quand je la torse, eh bien, c'est comme si... Quand je la torse, c'est comme si je lui donne... Hop, je la... En la torsant, on lui donne... On la vrille comme ça. Et ça resserre. Et ça resserre de chaque côté. Donc, le fait de faire une augmentation intercalaire, le fait de vriller, de torser la maille, eh bien, ça permet de resserrer à droite et à gauche et d'éviter de faire un trou. Et donc, elle prend sa place tranquillement. Donc, cette nouvelle maille, elle est vrillée, comme vous pouvez le voir. Elle est vrillée, voyez. Et donc, ça fait comme un petit bretzel. Et il y a une patte qui est sur l'autre. Donc, la maille intercalaire qui est créée, elle fait comme un petit bretzel, elle fait comme ça. Donc, on a une patte qui est sur l'autre. Et dans le cas de l'augmentation intercalaire gauche, eh bien, la patte qui est sur l'autre va vers la gauche, vous voyez. Hop, attendez, on va avoir un gros plan. Allez, fais-moi un petit gros plan. Voilà, donc ça part vers la gauche. Ça fait une diagonale vers la gauche. C'est pour ça qu'on l'appelle l'augmentation intercalaire gauche. Voilà, donc c'est un petit rappel pour bien comprendre toujours plus en profondeur nos techniques. Plus on comprend et mieux c'est. Ok, donc ça c'est l'augmentation intercalaire gauche sur l'endroit. Mais vous allez aussi retrouver très bientôt, puis on va la faire tout de suite. Comme ça on en aura fini avec les augmentations intercalaires. Sur l'envers, vous allez aussi faire des augmentations intercalaires. Et donc, vous allez trouver cette abréviation sur les rangs en vert, M1P. Donc, M, c'est pour make. Make en anglais, qui veut dire faire, d'accord? Donc, ou plus exactement, dans make, c'est, on peut dire ça, c'est comme créer. A maker, c'est un créateur, d'accord? Donc, on va créer une maille à l'envers.
D'accord, donc c'est créer une maille à l'envers. Comme je vous ai dit, on crée une petite maille qui va se faire son petit nid dans notre tricot. Donc, sur l'envers, comment ça va se passer? Eh bien, on amène notre fil devant puisqu'on est sur l'envers et ça va être la même chose. C'est-à-dire, on va venir chercher le fil intercalaire de l'avant vers l'arrière et c'est la même chose. On veut toujours tricoter la petite patte. Donc, la petite patte, elle est à l'arrière, pareillement, mais on va la tricoter à l'envers. Donc, celle-là, elle est un petit peu plus casse-bonbon. Hein. Hop! Essayez d'avoir, voilà. Donc, on va venir chercher le fil, mais vous voyez, je viens le chercher comme une maille à l'envers. Ah, alors, c'est agaçant, voilà. Mais on n'en a pas beaucoup à faire, donc on ne va pas se plaindre, on n'en a pas beaucoup à faire. Hop, et je la tricote à l'envers dans le brin de derrière. Allez, j'en recommence. Donc, je viens chercher le fil intercalaire de l'avant vers l'arrière, voilà. Je vais venir tricoter le fil de derrière et je vais le tricoter donc à l'envers. Donc, je vais venir le chercher comme ça. Vous voyez? Voilà. Et je le tricote à l'envers. Hop! Et je vais me retrouver avec une augmentation intercalaire à l'envers. Donc, je regarde sur ce que ça donnerait sur mon endroit. Voilà, ça va donner des petites mailles qui vont être invisibles aussi. Donc, augmentation intercalaire, c'est vraiment des augmentations où on relève le fil intercalaire et on vient tricoter la petite patte, on vient la tricoter torse pour vriller la maille et faire en sorte qu'elle se fasse son petit nid dans le tricot, mais qu'elle arrive et qu'elle soit un petit peu incognito. On ne veut pas qu'elle prenne qu'elle ne fasse pas de... qu'elle ne fasse pas de trous, d'accord? Voilà, c'est pas son but, c'est pas de la dentelle, on ne crée pas de trous. Donc, on va passer tout de suite au rang 1 et je vais vous montrer les rangs raccourcis. Je vais d'abord vous le montrer, je pense, attendez, est-ce que je vous le montre? Non, je vais vous le montrer comme ça, ça va être aussi bien. Donc, je vais vous le montrer, le rang raccourci sur l'endroit et sur l'envers, en faisant les rangs 1 et 2. Donc, je commence. Voilà, donc j'ai mon marqueur de rang. Donc, regardez, j'ai un super petit beigne de Noël. Et donc, je commence le rang 1. On me dit 3 mailles en droit, une augmentation intercalaire 3 fois. Donc, j'y vais. 3 mailles en droit, une augmentation intercalaire. Donc, on se rappelle. Et puis, vous pouvez aller voir maintenant en arrière. 3 fois, donc. Hop. Je vais un petit peu plus rapidement. Je me mets en mode accéléré. Hop. Voilà. Donc une fois que j'ai fait les 3 mailles endroit, augmentation intercalaire 3 fois, pour ma taille, je tricote 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Et là, donc, je tombe devant l'abréviation TW qui veut dire Term Work. Alors, regardez, je suis sur l'endroit du travail et c'est normal puisque je travaille en aller et retour. Mais maintenant, en rang raccourci, en circulaire, je travaille que sur l'endroit. Maintenant, en rang raccourci, je vais travailler en aller et retour. Donc, turn work, je tourne mon travail et je vais me retrouver sur l'envers. Donc, je vais voir des petites mailles à l'envers. Et là, je suis donc au rang raccourci numéro 2. Il y a marqué DS. Alors, DS, ça veut dire quoi? C'est le moment où on va faire le German Short Row, donc le rang raccourci à l'allemande. Comment est-ce qu'on fait cette bébête-là? Vous allez voir, c'est très simple. J'ai mon fil devant, c'est l'étape numéro 1, fil devant. Étape numéro 2, je vais glisser la maille, la première maille ici, comme pour tricoter à l'envers. Donc, je la glisse. Voilà. Et maintenant, c'est l'étape du gouégage. Alors, pour les Toulousains, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, vous n'avez aucune idée, c'est pas grave, je vous montre. Donc, comment est-ce que je gouègue une maille? J'ai mon fil qui est en bas et je vais la tirer vers le haut. Hop, gouéguer la maille. Donc, je suis ici. Donc, c'est un peu comme si je vais la... Je ne vais pas dire la pendre, c'est juste que je...
J'ai un peu l'impression. Voilà. Donc, j'ai le fil qui est ici. Je vais un petit peu la tirer vers le haut, la petite maille. Voilà. Donc, je suis ici vers le bas. Et regardez qu'est-ce qui se passe quand je tire vers le haut. J'ai la maille du rang en dessous qui est ici. D'accord. La maille du rang en dessous, elle est là. Donc, quand je tire vers le haut, on va y aller au ralenti. La maille du rang en dessous se retrouve à passer par-dessus l'aiguille et à faire que j'ai comme une maille qui a deux pattes. Vous voyez, elle a un collet et deux pattes. Voilà. Je suis ici, je ramène mon fil devant, mais j'ai cette espèce de maille mutante à deux têtes. Elle a un col et deux têtes. Voilà, donc ça, c'est mon DS. Après ça, on me demande de tricoter entre 14 et 15 mailles. Et après, il y a marqué slip marker. Alors, je vais vous donner un truc pour que vous n'ayez même pas besoin de compter vos mailles. En fait, on va simplement tricoter à l'envers jusqu'au marqueur de maille qui représente le début du rang. Hein? Donc, SM, en anglais, ça veut dire slip the marker, glisser l'anneau repère. Et c'est cool, on n'en a qu'un, donc ça veut dire que vous allez tricoter à l'envers jusqu'à vous rendre à votre anneau repère. Donc mon anneau repère, c'est simple, c'est mon petit beigne de Noël, il est ici. Je le glisse, donc je le passe de mon aiguille gauche à mon aiguille droite, facile comme tout. Et après ça, on me dit tricoter 3 mailles à l'envers et une augmentation intercalaire envers 3 fois. Donc c'est parti. Donc on remarquera que c'est symétrique de chaque côté de l'anneau repère. Hein. Je fais la même chose, j'augmente de chaque côté de l'anneau repère de la même manière, comme un pendule. Donc j'ai fait 3 mailles envers, je vais faire mon augmentation intercalaire envers. Donc, purl 3. Ok, donc ça, ça fait 1, 2, 3. Là, ça nous fait 2, puis 1, 2, 3, voilà, ok, donc j'ai fait mes 3 mailles envers et mon augmentation intercalaire envers, et après ça, eh bien, je dois tricoter 3 à 4 mailles de plus selon ma taille, et je me retrouve devant le TW, donc Turn Work, je tourne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On analyse tout de suite qu'est-ce que l'on vient de faire. Parce que c'est très... Une fois que vous allez comprendre ça, vous allez dire, mon Dieu, que c'est simple. Parce que ça l'est simple. Oups là. Ok, donc je suis ici. J'ai commencé, j'ai tricoté 3 augmentations intercalaires sur le rang 1. Ok, donc j'avais 3, 3, 3. Avec les augmentations intercalaires, plus... 3 à 4 selon ma taille, et là j'ai tourné, j'ai été sur mon envers, j'ai tricoté jusqu'au l'anneau repère du début, donc ça c'est mon début, je l'ai glissé, donc slip marker, et j'ai fait la même chose mais dans l'autre sens, donc j'ai fait 3 mailles, une augmentation intercalaire gauche, 3 mailles, une augmentation intercalaire gauche, 3 mailles, une augmentation intercalaire gauche, donc j'avais mes M1P, 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 plus 3 mailles et j'ai tourné mon travail, d'accord? Donc, j'ai fait le même nombre d'augmentations intercalaires sur la gauche de mon tricot et sur le deuxième rang, j'ai fait la même chose sur la droite. Donc, je suis en train de travailler comme un pendule de manière complètement symétrique par rapport au milieu du dos. Donc ça, c'est le milieu du dos et le milieu du dos, il est marqué par mon marqueur de début de rang. Donc votre marqueur, c'est le milieu du dos et nous allons faire des rangs raccourcis comme ça de chaque côté et ça va être complètement symétrique. Donc ça c'est super, si vous comprenez ça, il y a une épiphanie qui doit se faire et vous devez penser genre waouh, c'est super simple, d'accord? Hop là, donc je viens de finir mon rang 2. J'ai tourné mon travail et là, je vais encore une fois faire ma maille mutante. Alors pour ça, on reprend les mêmes étapes. 1. Fil devant. 2. Je glisse ma maille de l'aiguille de gauche
sur l'aiguille de droite comme pour tricoter à l'envers et 3 étapes du gouegage. Mon fil est vers le bas et je vais tirer vers le haut. Et hop, ma maille va se retrouver, ma maille du dessous se retrouve à passer par-dessus la maille de droite et je me retrouve avec une maille bicéphale. Je me retrouve avec une maille mutante à deux têtes, d'accord? Donc 1, 2, 3, c'est toujours la même chose, que ça soit sur l'envers ou sur l'endroit. Étape 1, fil devant. Étape 2, je glisse ma maille. Étape 3, je gouègue. Donc je me retrouve avec des mailles mutantes de chaque côté. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais simplement suivre mon patron. Je vous ai donné les abréviations pour tout. Mais à un moment, on va simplement se retrouver à tricoter. Et là, je vais me retrouver sur l'endroit, puisque je suis sur mon rang 3. Je vais me retrouver sur l'endroit. Et puis sur le rang 3, vous voyez, on me dit ben, tricoter un certain nombre de mailles jusqu'à slip the marker. Donc, c'est très simple. Si j'étais vous, je ne m'embêterais même pas à compter vos mailles, à moins que vous soyez de nature inquiète. Mais slip the marker, ben, ça veut dire que vous arrivez jusqu'à votre anneau repère. Donc, je slip mon marqueur. Et là, on me dit répéter de guillemets à guillemets. Donc, de guillemets à guillemets, c'est le nombre de mailles que vous aviez tricoté. Donc, dans mon cas, ça veut dire 14 parce que je fais la maille 2. Donc, je vais tricoter 14 mailles. 1, 2, 3, 4. Et puis, vous allez voir, après, il y a marqué KDS. Alors KDS, ça veut dire tricoter, hein, parce que knit, ça n'a toujours pas changé, c'est toujours tricoter. Knit the double stitch. DS, c'est double stitch. Moi, je l'aurais appelé maille bicéphale, mais les gens sont moins poétiques que moi. Ils n'ont pas appelé ça MB, ils ont appelé ça DS. Donc, on doit se rendre jusqu'à la maille bicéphale. Donc normalement, quand vous avez tricoté le nombre de mailles qui est indiqué, vous allez vous retrouver face à une maille mutante. Voilà, donc on la reconnaît quand même, hein. Elle est vraiment très très distincte. Et knit the double stitch, ou moi je vais refaire l'abréviation en tricot, knit the bicéphale maille, eh bien ça veut dire qu'on va simplement tricoter les deux têtes de la maille. Donc on est là et je vais tricoter à l'endroit les deux petites têtes. Voilà. Et eh bien ce qui fait que eh bien je n'en ai plus qu'une. Nous sommes revenus à la normale et ça nous permet de coller le rang qui était en attente avec le rang qu'on est en train de tricoter sans faire de trous. Donc on a tricoté la maille bicéphale et après eh bien on va nous dire tricoter 4 mailles de plus. Donc, on avance un petit peu plus dans nos rangs raccourcis. Puis, turn work. Donc, hop, je tourne mon travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis sur l'envers et que je dois refaire. On commence maintenant au rang 5. On doit refaire un DS ou MB, donc maille bicéphale. Rang, étape 1, fil devant. Étape 2, je glisse. Étape 3, je gouègue. Et je ramène le fil devant. Pourquoi? Parce que je suis sur l'envers. Après, on va me dire tricoter un certain nombre de mailles et SM. Donc moi, je ne vais pas compter parce que je ne suis pas de nature inquiète. Donc je vais simplement tricoter gentiment jusqu'à mon anneau repère que je vais glisser. Je vois qu'il y a des questions, je vais finir ça, puis on va revenir dessus, d'accord? Voilà, donc, je me rends jusqu'à slip the marker, je glisse le beigne, et maintenant, on va me dire, ben, tricoter le nombre de mailles que vous venez de faire jusqu'à le... Et on vient marquer PDS. Alors, PDS... PDS, ça veut dire quoi? Purl the double stitch. C'est simple, donc ça veut dire tricoter ensemble la double maille, que moi je dirais purl the bicéphale stitch, mais c'est pas grave, comme vous le dites, personne ne m'écoute, je rigole. Bon, allez, on
tricote donc jusqu'à la maille mutante. Donc vous pouvez compter vos mailles ou vous pouvez simplement, si vous êtes très confiant dans votre lecture du tricot, eh bien vous pouvez tricoter l'âme en paix jusqu'à vous retrouver jusqu'à la maille mutante. Ou ça peut simplement être évidemment une bonne façon de vérifier que vous avez bien fait votre travail. Voilà, j'arrive à ma maille mutante. Vous voyez, on la voit bien avec ces deux petites têtes. Et vous allez tricoter ensemble les deux têtes. Donc je prends les deux mailles ensemble et je vais les tricoter à l'envers. Donc c'est aussi simple que ça. Et après, eh bien, étant donné qu'on est de manière symétrique, si on a avancé de 4 mailles sur l'endroit, eh bien ça veut dire quoi? Qu'on va avancer de 4 mailles sur l'envers. 1, 2, 3 et 4, et que l'on va tourner. Et avant, étant donné que c'est un rang raccourci, avant de commencer ce rang en droit, on va commencer avec un DS, double stitch, donc étape 1 devant, étape 2 je glisse, étape 3 je gouègue. Voilà, donc ça c'est la technique. Avec ce que je vous ai expliqué, normalement vous devez être capable de lire des rangs 1 à 9 des rangs raccourcis. Maintenant, je vais regarder vos questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ok. Amy qui dit « Ça a l'air tellement facile quand on t'écoute. » Mais ça l'est facile, c'est pour ça. Des fois, les gens expliquent et ça complique. C'est tout. Ok, allez, les questions. Geneviève, si je souhaite un col plus dégagé ou décolleté, comment je peux procéder? Digidou. Tu pourrais, une des choses que tu pourrais faire, que je vois qui ne demanderait pas de redesigner si tu veux complètement, c'est que tu pourrais faire tes côtes 1-1 avec tout de suite ta plus grande aiguille. Tu pourrais commencer avec les 4.5 au lieu de les faire en 3.5. Donc évidemment, ça va être moins serré. Ça serait tout à fait une possibilité qui te permettrait d'avoir un col beaucoup plus dégagé. Donc c'est là, je te dirais que c'est la solution la plus simple que je verrais, Geneviève. Est-ce que je vais remontrer le shadow wrap? Non, pas ce matin. Ce matin, je vais juste rester... excusez-moi, je vais juste rester sur les German Short Row. Surtout que si vous voulez, vous pouvez vraiment aller facilement trouver le tuto. Je vais rester concentrée, excusez-moi, sur notre patron de ce matin là-dessus. Au rang 9, est-ce que tu pourrais expliquer ce qui est écrit après SM? Mais oui, ça va me faire plaisir. Donc au rang 9, on commence donc DS, donc double stitch, on double notre maille, ce qui est normal à chaque fois qu'on commence un rang raccourci. On a besoin de faire cette maille mutante qui va venir coller le rang en attente avec le rang qu'on tricote. Donc double stitch, je tricote X maille, SM, je glisse mon marqueur. Puis je vais ensuite tricoter one... Ah ok, je vois ce qui t'a perturbé. Donc au rang 9, je recommence, excusez-moi. Donc double stitch, je tricote mon nombre de mailles. Je glisse mon marqueur, puis je vais tricoter un rang jusqu'au marqueur de rang en travaillant toutes les through both legs of the remaining double stitch. Ok. Je vais faire même un dessin. C'est très simple, tu vas voir. Donc, au rang 9, on est ici, d'accord? Le rang 9, c'est un rang en droit. Donc, tu fais ton rang en droit. Donc, ton rang droit, il a commencé ici, d'accord? Parce que tu étais en effet de pendule, donc tu as commencé ton rang ici. Tu commences par ton double stitch, puis tu vas tricoter le nombre de mailles qui te dit. Tu arrives ici, d'accord? Donc tu es à ton marqueur de rang, tu glisses ton marqueur de rang. Et après, eh bien, tu vas tricoter un rang complet. Donc, tricoter un rang complet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, par là, tu vas te retrouver avec une DS qu'il va falloir tricoter, d'accord? C'est normal, puisque tu étais retourné en arrière
pour au rang 8, tu étais retourné en arrière pour faire ton rang en vert. Donc ça, c'est normal. Donc ici, tu vas avoir déjà une maille mutante à venir tricoter ensemble. Puis, tu vas vraiment faire le tour du cadran cette fois-ci. On arrête de faire des rangs raccourcis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas te retrouver face au rang raccourci qui est ici. Donc, tu en as un deuxième à tricoter. Et tu finis ta révolution là. D'accord? Donc, c'est comme... C'est pas comme un rang qu'on a l'habitude de faire. C'est comme un rang et plus. Parce que tu n'as pas commencé... comme normalement au début de ton rang. Tu as commencé avant, parce qu'on a passé notre temps à faire des allers-retours avec nos rangs raccourcis. Donc tu as commencé avant ton anneau repère du début, tu as commencé ici en faisant un double stitch. Tu t'es retrouvé ensuite ici à devoir résoudre la maille mutante du rang précédent. Et ensuite, tu vas continuer, tu te retrouves face à ce double stitch et tu reviens au rang de départ. Donc le rang 9, c'est un rang qui a plus de mailles qu'un rang habituel. Ton rang habituel, normalement, il commencerait ici. Mais parce qu'on est en rang raccourci, il a commencé beaucoup plus en avant, en amont. Donc c'est un rang, le rang 9, qui représente toutes ces mailles-là, plus toutes ces mailles-là, plus... Donc tu vois, je repasse encore là. Et là, donc c'est vraiment un rang qui est plus grand. C'est pour ça. Nathalie, est-ce qu'on reste avec le câble de 40 cm? Moi, personnellement, tu vois, j'ai même pas encore changé. Excuse-moi. Personnellement, parce que j'avais envie d'être à l'aise, je n'ai pas encore, est-ce que je suis encore sur un 40 cm, je suis avec mes grandes aiguilles, mais je suis encore sur un 40 cm, je pourrais, là ça commence à être un peu tassé parce qu'on a eu des augmentations intercalaires, donc je pourrais définitivement au prochain rang passer sur un 60 cm, mais pour le début je suis restée sur mon 40 cm, j'étais un petit peu plus à l'aise, d'accord? Mais vous pouvez... Vous pouvez passer tout à fait sur un 60 cm, puisque pendant ces 9 rangs de rangs raccourcis, vous ne tricotez pas en rond, vous tricotez en aller et retour. Donc vous pouvez passer tout à fait au 60 cm. Si je décide de faire des shadow wraps, je le tricote-tu sur le rang en vert comme les German Short Row? Merci Louise, c'est une excellente question. Si vous décidez de passer sur du shadow wrap, vous devez soustraire une maille. Donc, je m'explique. Par exemple, si on vous dit tricoter 4 mailles et tourner, vous allez devoir faire le shadow wrap sur la troisième. Donc, il faut enlever une maille. Donc, ce n'est pas tricoter 4, tourner. Pour vous, ça sera tricoter 3 et faire le shadow wrap sur la quatrième. Dans quelle section du patron vais-je devoir faire plus de rangs et des ajustements pour compenser mon 28 rangs vs 24 rangs obtenus dans l'échantillon? Alors Caroline, ça va être définitivement au moment où on va continuer, où on va devoir séparer les manches du corps. C'est à ce moment-là que tu vas voir si tu dois rajouter plus de rangs pour obtenir la profondeur de ton encolure. D'accord? Donc c'est pas tout de suite... On va vraiment, je vous ferai un rappel à ce niveau-là, vraiment, c'est au moment où on va séparer tes manches de ton corps. Est-ce que tu as assez de profondeur? Voilà. Alors France, make one pearl, comment est-ce qu'on sait si elles sont right or left? Alors normalement, dans la plupart du temps, si tu fais du châle, tu vas avoir des make one left pearl et des make one right pearl parce que tu vas avoir à droite et à gauche et puis ça va être plus important. Dans le cas de ce patron-là, elle n'utilise que les make one left pearl, donc elle ne s'est pas embêtée à mettre le left. Elle a juste mis
Make one pearl. Mais oui, tu as raison. France, normalement, si on voulait être extrêmement précis, il aurait fallu mettre un make one left pearl et comme elle a marqué un make one left. Voilà. Alors, le lexique anglais me pose problème. Alors, si vous avez un peu de problème par rapport au lexique en anglais, je vais vous conseiller tout simplement d'aller sur Internet et de taper. Et vraiment, moi, c'est comme ça à l'époque, il y a... Oh my God, 22 ans. Il y a 22 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser au patron en anglais et que j'étais un petit peu perdue, j'ai tapé dans Google lexique franco-anglais de tricot. Et si vous saviez, écoutez, je suis tombée sur le Saint Graal, vous allez voir, surtout maintenant, on en a de plus en plus. Donc tapez, vraiment c'est le mot, c'est votre mot-clé, c'est votre clé, lexique franco-anglais de tricot. Et vous allez avoir vraiment beaucoup de sites qui proposent des lexiques extrêmement clairs. Pour chaque abréviation, ils vont vous expliquer ce que ça, à quoi ça correspond. Donc faites-vous plaisir, ne vous gênez pas, on a une ressource qui est tellement merveilleuse avec Internet. Donc, j'ai encore perdu mon bidule. Donc, gâtez-vous, tout est là, d'accord? Cela veut dire qu'on fait des shadows. Non, ce n'est pas des shadow wrap. Là, c'est des German short row que j'ai montré, d'accord? Si vous voulez faire des shadows, n'oubliez pas de soustraire de une maille pour faire le shadow. Oui, on fait toujours le shadow wrap. Sur le rang. Hein, le German short row, il est fait sur le rang d'après. D'accord? On fait le double stitch en commençant le rang. Le shadow wrap, il est toujours fait sur le rang même. Ok? Dans le shadow wrap, on fait, par exemple, je suis sur l'endroit, je termine par un shadow wrap, je tourne et je suis prête à commencer mon rang. Dans le cas du German short row, je fais un rang normal, je tourne et je commence par la maille bicéphale. Il y a une petite différence, ok? Allez, je continue. Je vais me mettre une petite note pour faire les tutos. On est en train de les compiler. Là, on a fait un beau tuto sur l'échantillon qui va bientôt sortir, mais je vais en faire sur les différents rangs raccourcis. Donc, je continue parce qu'on a quand même un petit peu de travail encore. Le début du pull est toujours le plus nourrissant au niveau des explications. Donc, on continue sur la page 4. Une fois que vous avez terminé les 9 rangs des rangs raccourcis, nous continuons avec la deuxième partie qui est le Increase Rounds for the Yoke. Donc, Increase Rounds for the Yoke, ça veut dire rang d'augmentation pour le yoke. Alors, en fait, ça serait même pas rang parce que round, ça veut dire des tours. Et ce qui est normal, quelque part, un rang, c'est une rangée, mais nous travaillons en circulaire. Donc, ça serait beaucoup plus logique de parler de tours que de parler de rang. Donc, ça serait les tours d'augmentation pour le yoke. Donc, le yoke, c'est toute cette partie. Donc, c'est pas juste l'encolure. Donc, quand on pense encolure, on pense qu'à la partie du cou. Mais pour des pulls de ce style-là, le yoke, c'est toute cette partie, l'encolure fait vraiment, commence au cou et finit presque au niveau des aisselles. Donc c'est une grande partie, le yoke. Donc là, le prochain chapitre, c'est vraiment, le prochain paragraphe, c'est vraiment les tours d'augmentation pour l'encolure. Et dans ces cas-là, vous remarquerez qu'il y a vous avez deux parties. La première partie, c'est pour les tailles XS, S médium et L seulement. Donc faites attention, sur la page 4, le paragraphe qui suit, c'est pour la partie donc XS, S médium et large. Hop là. Et sur la page 5, c'est pour la partie XL à 4XL. Donc faites bien attention sur qu'est-ce que vous allez lire. Okay? Donc, page 4, c'est la partie écrite du yoke. Mais personnellement, pour ne pas me mêler les pinceaux, je préfère la charte. Donc, la charte pour les tailles XS jusqu'à L, elle est sur la page 5. D'accord? Donc, moi, je vous conseille toujours
d'aller sur les chartes. C'est beaucoup plus simple pour votre cerveau que l'écrit. Et pour les tailles XL à 4XL, la charte est sur la page 6. Donc, tout de suite, on va se parler des symboles et de la lecture de cette charte. Et vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Pour la première chose, eh bien, on va regarder comment est symbolisé le M1L. Donc, Make One Left, je vous l'ai expliqué, c'est notre augmentation intercalaire gauche. Et comment est-ce qu'il est symbolisé? Eh bien, il est simplement symbolisé par un espèce d'arbre rabougri avec une seule branche qui part vers la gauche. Ok? Donc, comment est-ce qu'on peut le voir? Eh bien, simplement, on peut le voir comme il y avait une maille et puis on est venu créer une maille qui part vers la gauche. Voilà, bon. C'est une maille créée qui a deux papattes et puis sa petite patte plus apparente, elle part vers la gauche. Donc, voilà, dans les abréviations de tricot, on essaye d'être le plus parlant. Donc, le petit arbre rabougri qui part vers la gauche, c'est notre augmentation intercalaire gauche. Vous avez compris, c'est assez simple de le voir. Donc, par exemple, au rang 1, si je regarde ma charte, et vous pouvez vous le confirmer avec l'écrit, ce que je vois, c'est que j'ai... charte, je vais parler de la charte XS à L. Je parlerai un petit peu après de l'autre charte, mais qui est très très semblable, d'accord? Donc, sur le rang 1, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois une petite augmentation intercalaire, et après, 1, 2, 3, 4, et après, 6 mailles en droit. Alors, est-ce que ça veut dire que je fais une augmentation intercalaire, 6 mailles en droit, et puis le tour est fini? Non, évidemment, vous avez pratiquement une centaine de mailles face à vous. Donc, ça veut dire que ce que vous voyez là, augmentation intercalaire, 6 mailles en droit, eh bien, vous allez devoir le répéter jusqu'à la fin du tour. Ok? On ne va pas faire une charte pour les 100 mailles. C'est le même motif qui se répète. Donc, par exemple, si dans mon pull, le motif que je voulais vous expliquer, c'est faire un jeté, donc faire un petit trou et puis faire une augmentation intercalaire, d'accord? Et que ça me prend 2 mailles, je ne vais pas sur 100 mailles vous faire, ok, donc tu fais ça, puis tu le répètes encore, et puis je ne vais pas vous faire ça 100 fois, d'accord? C'est un petit peu plate. Je vais simplement écrire ça, voilà, et puis ça va être à vous de comprendre que ça, vous allez le répéter sur tout le rang. Ok? Donc, dans votre charte, si tout ce que vous voyez, c'est un petit arbre rabougri avec sa branche gauche et 6 mailles en droit, ça veut dire que jusqu'au bout du rang, vous allez faire une augmentation intercalaire gauche, 6 mailles en droit. Et je recommence. Une augmentation intercalaire gauche et 6 mailles en droit, etc. jusqu'au bout. Ensuite, rang 2 à 5, eh bien, il n'y a que des petits carrés blancs. On ne s'embête pas, ça veut dire que c'est tout à l'endroit. Ok, donc je vais faire de 2 à 5, je vais faire que des mailles en droit. Ah, au rang 6 arrivent des choses beaucoup plus intéressantes. On arrive avec un petit carré qui est tout gris. Alors, c'est quoi la différence du carré tout gris VS le carré tout blanc? Le carré tout blanc, eh bien, c'est le K qui veut dire des mailles en droit. Donc, quand je vois un carré blanc, ça veut dire que je fais une maille en droit. Mais quand je vois un carré gris, c'est le pearl, ça veut dire que je fais une maille à l'envers. C'est pas compliqué, hein? Donc, à chaque carré gris, je fais une maille à l'envers. Et après, j'ai un autre petit symbole qui ressemblerait un petit peu à un moucheron. Ouais, un petit moucheron. Vous le voyez, le moucheron? Donc, le petit moucheron avec ses deux petites ailes, là. Donc, voilà, c'est un petit moucheron avec deux petites ailes. Vous le voyez mieux? Non, d'accord. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire, le moucheron à deux petites ailes? Eh bien, c'est une maille qui va être glissée avec le fil devant. Avec le fil devant. Donc, on va glisser la maille avec le fil devant. Et c'est pour ça
Vous voyez qu'il y a cette petite barre à la base du V. C'est parce que la maille est glissée, mais avec le fil devant. Donc, si je regarde mon rang 6, qu'est-ce que je vois? Je vois carré gris, qui veut dire donc une maille en vert, suivi de 3 moucherons, suivi de carré gris, suivi de 3 moucherons. Donc, ça veut dire, je fais une maille en vert, 3 mailles glissées avec le fil devant. Je fais une maille en vert, 3 mailles glissées avec le fil devant. Et je vais continuer à faire ça jusqu'à la fin de mon rang. Allez, je vous montre comment on fait ça. On va utiliser ça ou on va utiliser ça. Donc. Ah oui, merci. Au rang 5, il y a une augmentation. Il y en a qui suivent, j'apprécie. Donc au rang 5, il y a une petite augmentation. Le petit arbre rabougri avec sa branche de gauche. C'est bien, il y en a qui suivent. Merci. Merci Myriam. Donc, au rang 6, donc maille en vert. Et puis là, j'ai 3 moucherons. Donc, je garde mon fil devant puisque c'est des mailles qui sont glissées avec le fil devant. Et je vais glisser 3 mailles. Donc, 1, 2 et 3. Et attention, c'est au rang 5 pour la taille XS à L. Donc, j'ai glissé 3 mailles avec le fil devant. Maintenant, j'ai à nouveau une maille à l'envers. Donc, je fais une maille à l'envers. Et là, faites attention que le fil ici soit assez lâche. D'accord? Commencez pas, c'est plus le moment de gouéguer. On se relâche, d'accord? On se relâche, tout le monde il est gentil. Ok, on laisse un fil qui soit assez souple devant. Et vous me faites une maille à l'envers. Donc, on se retrouve avec 3 mailles qui ont été glissées, donc pas tricotées, et puis un fil devant. Et on continue, 3 mailles glissées, donc je les glisse comme à l'envers. 1, 2, 3, le fil reste devant et une maille envers. Et encore une fois, on va faire en sorte que le fil soit souple. On n'est pas en train d'essayer d'étouffer nos pauvres petites mailles. Elles ont comme un... Je sais pas. Essayer de me trouver une belle image pour ces 3 petites mailles. Mais j'ai l'impression d'avoir 3 petites mailles qui sont derrière un comptoir. Voilà. C'est l'heure du happy hour. J'ai mes petites mailles qui sont derrière le comptoir. Allez, et on continue. 1, 2, 3, etc. Donc jusqu'au bout du rang, on va avoir à faire 3 mailles en droit, une maille en vert avec le fil glissé devant. Au rang suivant, donc au rang 8, eh bien c'est exactement la même chose. Donc c'est reparti. De nouveau, l'heure du happy hour. Donc une maille en vert et vous faites la même chose. Donc 1, 2, 3 et maille en vert. Donc le fil est devant. On fait en sorte de le garder assez souple. Et on recommence. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3. Et voilà. D'accord. Donc on a pour les rangs 7 et 8, voilà, on se retrouve en fait avec cette drôle de chose là. Donc ces mailles qui sont derrière le comptoir. Au rang 9, on va tricoter tout à l'endroit. Puisque c'est uniquement des petits carrés blancs, donc on est parti. Voilà. Donc, au rang 9, on est tranquillou, c'est tout à l'endroit. Et au rang 10, on va comprendre pourquoi. Oups, excusez-moi, on va remettre ça là derrière, voilà. Et au rang 10, on va comprendre pourquoi est-ce que on a laissé traîner nos affaires, on a laissé traîner notre laine comme ça sur notre tricot. On va comprendre pourquoi est-ce qu'on a laissé traîner nos affaires. Donc au rang 10, on recommence, on commence par une maille à l'envers, d'accord? Puis après ça, une maille à l'endroit. Et là, il y a un U. Alors, le U, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le U,
on va venir tricoter cette maille, la deuxième maille, mais on va venir la tricoter en lui ajoutant des ailes. Alors comment est-ce qu'on va la, on va faire une maille fée. Donc comment on va faire pour transformer une maille en fée? Alors c'est tout simple, on va passer sous les deux fils. Donc c'est simple, hein. Vous passez sous les deux fils qui sont là. Et on va maintenant tricoter la maille à l'endroit en la faisant passer sous les deux fils aussi. Et pouf, ma maille est devenue une fée. Regardez, elle a des petites ailes de chaque côté. Allez, je tricote après une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit et j'ai de nouveau un U. Alors, le U, c'est la transformation de la maille en fée. Alors, c'est reparti. Comment je transforme ma maille en fée? Eh bien, je passe sous les deux fils. Je viens tricoter la maille. Et je passe ensuite sous les deux fils que j'avais laissés devant le tricot. Voilà. Hop. Et tadam! Ma maille se retrouve avec des ailes de fée à droite et à gauche, si c'est pas génial. Allez, une dernière fois. Je vais essayer d'être le plus précis possible. Ok, donc, une dernière fois. Je vais donner des ailes à ma maille. Donc, comment je vais faire ça? D'abord, je vais aller ramasser mes ailes. Donc, je vais passer sous mes deux brins. Donc, sous mes deux ailes ici, ok. Puis, je vais venir tricoter ma maille. Et pour parfaire la transformation, eh bien, je vais passer sous les deux fils. Hop. Et voilà. Tadam. Et je tricote ma maille en droit. Et je continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc, voilà. Et je transforme ainsi ma maille. Donc, vous voyez, c'est le point de papillon. Donc, j'ai transformé ma maille en petite maille, en petite fée. Voilà. C'est cool, hein? Quand je vous dis que c'est simple, mais que c'est simple. Voilà, donc j'ai une petite maille fée, une petite maille fée, une petite maille fée. C'est simple. Et en effet, c'est simple et c'est très joli. Voilà. Martine, c'est pas facile de garder toujours la même tension pour le fil devant. Est-ce que ça donne un effet de gondolage? Non, ne t'inquiète pas, il y en aura qui auront une petite aile un peu plus grande, un peu plus petite. C'est pas grave du tout, d'accord? Voilà, donc s'il vous plaît, simplement bien regarder votre charte, ok? Simplement bien regarder votre charte. Quand vous voyez l'arbre rabougri avec la patte à gauche, putain, augmentation intercalaire, maille en vert, maille glissée type moucheron, maille fée, c'est vraiment très très simple à comprendre, ok? Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On a un autre symbole qui va apparaître, qui est... Il se passe plein de choses féeriques hein, dans ça. On a un autre... Oh non, pas le Sharpie, pas encore, zut! Il faut vraiment que je le mette ailleurs, ce Sharpie. Ok, donc, on a un autre symbole qui est le petit losange, donc qui est le fait de faire un nœud. Et je vais vous en reparler tantôt. On se prendra juste une toute petite 2-3 minutes. Je vais vous parler du cal des Bini de Jenny Noto, notamment du Villa, parce que on va retrouver ce point-là dans le Villa. Hop. Ok, donc je vous montre comment faire le petit nœud. Alors c'est le point papillon, oui tout à fait, la maille fée, mais moi je vous dis, hein, si on me donnait le choix, je referais le lexique du tricot. Non, c'est la maille fée, excusez-moi, c'est le point papillon, c'est le point papillon. Ok, donc comment est-ce qu'on fait le petit losange? Donc le petit losange, le point de nœud, c'est un point qui se fait sur trois mailles. Alors comment est-ce que je fais ça? J'amène mon fil devant et je vais tricoter trois mailles ensemble à l'envers. Donc soyez très très relax quand vous faites ce point-là, c'est vraiment important.
On se relaxe, ok? Ouh, mou le corps, ok? On est là, trois mailles ensemble, à l'envers. Après ça, je repasse mon fil derrière et je vais tricoter ces trois mailles à nouveau à l'endroit. Donc, je ne les ai pas lâchées, vous voyez, elles sont toujours avec moi. Je les tricote à nouveau trois fois à l'endroit et je ne les laisse toujours pas tomber de l'aiguille. Je remets le fil devant et cette fois-ci, je vais les tricoter à nouveau trois fois à l'envers. Donc, les mêmes trois mailles, je les ai tricotées une fois à l'envers, une fois à l'endroit et une fois à l'envers. Voilà, donc ça leur donne un espèce de petit twist, ça fait un petit nœud. Je vais recommencer une dernière fois. Donc le petit point de nœud, c'est très simple. Je mets mon fil devant et mon groupe de trois mailles, je vais venir les prendre comme ça et je vais tricoter mes trois mailles à l'envers. Et ce qui est le plus important, je ne les laisse pas tomber de l'aiguille. Elles sont ici, d'accord? Je repasse mon fil derrière et maintenant je vais tricoter ces trois mailles-là à l'endroit. Et je ne les laisse toujours pas tomber de mon aiguille. Et maintenant, je repasse mon fil devant et je les tricote à l'envers. Voilà. Donc, si on regarde bien maintenant, en fait, j'ai trois mailles sur l'aiguille de droite et trois mailles sur l'aiguille de gauche. Donc, j'ai comme transmuté mon histoire. Et là, je vais les laisser tomber. Voilà, et ça, c'est le petit losange, c'est le petit point de nœud, qui est vraiment un point qui est très simple à faire, mais qui est très, voilà, qui demande vraiment que votre tension soit très souple, d'accord? Donc, ce petit point-là, c'est trois mailles envers, sans tomber, donc sans laisser tomber vos mailles. Après, c'est trois mailles en droit. C'est trois mailles envers ensemble, d'accord? Trois mailles en droit ensemble, sans tomber. Et on les retricote une dernière fois, trois mailles envers ensemble, et là, tombe. Voilà, et c'est ce qui va nous donner cette espèce de petit point de nœud. Je vais vous montrer sur le tricot à quoi ça ressemble. C'est comme une mini nope. Non, pas vraiment. Je ne dirais pas que c'est une mini-nope parce que ça pourrait ressembler à une mini-nope, mais c'est comme si ça twistait les mailles aussi. Donc, j'appellerais même pas ça une mini-nope. Attends, on va les mettre dans le sens où vous allez les tricoter. Voilà. Donc, ça amène un espèce de twist. Et voilà, ça amène un espèce de twist. Bon. Ça fait comme une mini nope, je dirais pas ça. Et sur mon bleu, on les voit bien, je trouve. Voyez ici? Voilà, ça déploie. C'est comme si ça déployait les mailles. Je sais pas comment dire. Mais bon, bref. Donc, on se retrouve avec ce petit motif au centre. Voilà, on dirait un petit peu comme une petite fleur avec des pétales. Et on va entourer ce motif-là avec un système de jetés. Puisque une fois qu'on a fait ça, eh bien, on se retrouve au rang suivant avec comme une couronne au-dessus. Comme une couronne, vous voyez, on a notre... Voilà, ça fait un peu la tête à Toto, mais bon. Donc, on a ici notre nœud, mais on va avoir de chaque côté donc un jeté. Puis ici, on aura un glisse-glisse-tricote et là, deux mailles ensemble. Donc, juste, on se rappelle ou on découvre, pour ceux qui n'ont jamais fait ça. Ça, c'est un glisse-glisse-tricote. C'est une diminution qui est orientée vers la gauche. Donc, on l'appelle aussi le SSK en français, en anglais. Et puis, la petite girafe qui part vers la droite, eh bien, c'est tout simplement deux mailles ensemble, ou en anglais, knit two together. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Je vous montre, c'est vraiment très très simple dans notre... Oups, dans notre...
dans notre patron. Donc ça, c'est une dentelle de base. Hein. C'est une dentelle qui est vraiment, vraiment simplissime. Okay. Donc, par exemple, je commencerai par 3 mailles à l'endroit. Et là, on me dit jeter. Donc, jeter, qu'est-ce que c'est? Le jeter, c'est je mets mon fil devant et je ramène un peu mon fil vers l'arrière. Donc, ça crée une maille et ça ne crée pas une maille comme une augmentation intercalaire qui a envie de faire sa place ni vue ni connue. Le jeter, ça crée une maille, c'est une augmentation, mais ça veut se faire voir, d'accord? Donc, ça fait un gros trou, il n'y a rien de discret sur le jeter. Le jeter, c'est vraiment quelqu'un qui arrive et qui est très ostentatoire, d'accord? Je vais juste le faire... Excusez-moi, je vais juste le faire 2 mailles avant, parce que là, je tombe dans mon... Une maille avant, ça va être bien, ok. Donc, je commence par une maille ostentatoire, je fais un jeté. Après ça, je vais faire mon glisse-glisse-tricote. Donc, glisse-glisse-tricote. Je glisse ma première maille comme pour la tricoter à l'endroit. Ça, c'est important. Endroit. Je vais glisser la deuxième maille et vous verrez que la deuxième maille, c'est la première maille de votre nœud. D'accord? Vous avez un ensemble de mailles très, très collées, serrées, là, parce que c'est notre nœud. Donc, la deuxième maille de mon glisse-glisse-tricote, eh bien, c'est la première patte. Et là, donc j'ai glissé 2 mailles, je vais replacer mon aiguille de gauche au pied de ces 2 mailles-là et je vais les tricoter ensemble. Voilà, donc j'ai mon jeté, comme je vous disais, j'ai créé une maille qui fait un trou, hein, elle veut se faire remarquer, et un glisse-glisse-tricote. Après ça, j'ai une maille à l'endroit et... Je termine par 2 mailles ensemble et un jeté. Donc, 2 mailles ensemble, on remarque que la première maille qui va créer le 2 mailles ensemble, eh bien, c'est la troisième patte de mon nœud. Donc, hop, je prends ces 2 pattes, je fais 2 mailles ensemble. Voilà. Et après ça, donc, un jeté. Donc, on se rappelle, le jeté... C'est une maille qui est très ostentatoire. Je mets le fil devant et je reviens en arrière. Ça s'arrête là. Et je tricote le nombre de mailles qui m'est demandé après. Et je recommence. Donc, juste, je vous refais un petit topo. Donc, le jeté, je mets mon fil devant et je reviens vers l'arrière. Après ça, glisse, glisse, tricote. Donc, je glisse la première maille comme à l'endroit. Je glisse la deuxième maille comme à l'endroit. Je replace l'aiguille de gauche au pied de ces 2 mailles et je tricote ensemble. Après ça, une maille en droit. Je ne vais pas avoir assez de mailles. Une maille en droit. Puis, bon, on va faire comme ces 2 mailles ensemble. Et un jeté, jeté, j'amène le fil devant et je le ramène vers l'arrière. C'est tout. Donc ça, c'est vraiment, vous allez voir, c'est vraiment très, très simple. C'est des diminutions de base. Et je vais terminer sur le rang 17 avec la fameuse diminution double à maille centrée. Alors, la diminution double à maille centrée, c'est celle qui a un chapeau d'âne. Pourquoi est-ce qu'elle a un chapeau d'âne? Eh bien, c'est vraiment pour vous rappeler que vous pouvez soit très très bien la réussir, soit vous pouvez vous tromper. Pourquoi? Donc, diminution... double à maille centrée ou à maille centrale en français, elle peut s'appeler des deux manières. Moi, je vais l'appeler à maille centrée pour le coup. Comment est-ce que je fais pour bien la réussir? Eh bien, il y a un trick qu'il faut toujours se rappeler quand je fais une diminution double à maille centrée. Donc, elle est entourée de 2 jetés. Donc, vraiment, c'est une maille. Pourquoi est-ce qu'elle est entourée de 2 jetés? Si vous regardez sur votre charte, au rang 17, j'ai un jeté à droite et j'ai un jeté à gauche, d'accord? Les jetés, on se les dit, d'accord? C'est des mailles qui sont là pour être ostentatoires. On va le voir, ça fait un trou, d'accord? Ça fait un jour dans votre tricot, ça ne passe pas inaperçu. Donc, quand on met des jetés, c'est que l'on va vraiment découper dans le tricot. Donc, on met un jeté de chaque côté de la diminution double à maille centrée. Donc, c'est vraiment, on ferme la forme. Donc, c'est très important qu'il soit au bon endroit. Ok, donc, je fais mon jeté. J'amène mon fil devant et je reviens en arrière. Maintenant, je vais faire ma diminution double à maille centrée. Alors,
je vais glisser 2 mailles, comme pour les tricoter ensemble. Et c'est là le chapeau d'âne. Pourquoi? Parce que si vous ne les glissez pas comme pour les tricoter ensemble, eh bien, elle est ratée. Donc, vous devez les glisser comme si vous alliez tricoter ces 2 mailles ensemble et les faire passer de l'autre côté. Si vous faites ça bien, vos 2 mailles, elles sont croisées. Vous voyez, en les tricotant comme ça, en les glissant comme ça, ça les croise. Après ça, je tricote 1 maille à l'endroit et je rabats les 2 mailles que j'ai glissées sur la maille que je viens de tricoter. Voilà. Et ça doit me donner une belle maille centrée. Donc une belle maille au centre avec un jeté à droite. Et maintenant, je vais lui faire un jeté à gauche. Donc j'amène le fil devant et je le ramène vers l'arrière. Voilà. On va recommencer. Hop. Est-ce que j'ai assez de mailles pour le faire? Oui, c'est bon. Ok, on va recommencer. Donc, d'abord, je fais mon jeté. Donc, j'amène le fil devant et je le ramène vers l'arrière. Maintenant, c'est parti. Je vais glisser 2 mailles comme pour les tricoter ensemble. Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Sinon, vous avez le droit au chapeau d'âne. Je ne veux pas voir. J'en glisse une, puis j'en glisse une autre. Là, regardez bien, mes 2 mailles ne sont pas croisées et vous n'aurez pas l'effet de maille centrée. Donc, ça, c'est chapeau d'âne. Si vous ne voulez pas avoir le chapeau d'âne, vous devez glisser 2 mailles comme pour les tricoter ensemble, d'accord? Donc, vous rappelez, là, il y a un petit trick à bien faire attention. Donc, je les glisse comme pour les tricoter ensemble, ce qui fait que mes mailles se croisent. Après ça, je tricote une maille en droit. Donc, ne vous inquiétez pas, votre jeté se retrouve à voyager un petit peu, on s'en fiche. Et je vais rabattre les 2 mailles glissées sur la maille tricotée et j'ai une belle maille centrée. Je mets ensuite, et attention, on n'oublie pas le jeté. Donc j'amène le fil devant et je remets vers l'arrière et après je tricote le nombre de mailles demandées. Donc attention de bien découper votre maille centrée avec ces 2 jetés. Voilà. Donc ça c'est, je viens de vous expliquer toute la charte XS à L. Quelle est la différence par rapport à la charte du rang 6 qui est la charte pour la taille XL à 4XL? Eh bien, il n'y en a pas. C'est-à-dire que vous allez avoir exactement les mêmes symboles, les mêmes dessins. C'est juste que les augmentations ne sont pas forcément au même endroit, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, vous allez voir, vous avez les mêmes moucherons et vous avez la même maille fée. C'est vraiment exactement la même chose. Quand vous allez la regarder, vous allez voir la même chose. La différence, c'est que vous allez voir, il y a marqué « Work Chart C ». Donc, travailler la charte C, et la charte C, c'est exactement ce qu'on a vu, c'est-à-dire la maille en vert et les 3 mailles glissées. Il y a vraiment, vous suivez les symboles, et tout va bien aller. Voilà. Maintenant, et je termine, donc ce que je vais vous demander de faire, s'il vous plaît, c'est de travailler les 9 rangs raccourcis pour l'encolure, et ensuite, je veux que vous ayez fait les 20 rangs de la charte. Ça, c'est votre devoir pour la semaine prochaine. Voilà. Maintenant, je vais regarder vos questions tout en savourant une gorgée de thé. Alors, qui c'est qui me marque Knit One Through Back Loop? Alors, attends, où est-ce que tu vois Knit One Through Back Loop? On va voir, écoute Nathalie, Knit One Through Back Loop, on le voit au rang 29. Donc, étant donné qu'on n'est pas au rang 29, on ne voit pas le Knit One Through Back Loop, qui est une maille torse, c'est pour ça. Hein. Et je vais te spoiler, ça veut simplement dire, c'est comme l'augmentation intercalaire, tu vas tricoter dans la maille de derrière. Pour une plus belle tension, devrait-on tricoter sur la pointe de l'aiguille ou plus loin? Je te conseille, Jojo, de tricoter plus loin, la pointe de l'aiguille, c'est trop serré. J'appréhende un peu les rangs raccourcis, mais le yoke est très clair. Ne t'inquiète pas. S2KP,
Est-ce qu'il y a une maille à l'envers? Slip. Non. S2KP. Slip need to pass over. Donc le P c'est pour pass over. Par rapport à. Tu marquais Vicky pour la maille centrée. Fais vraiment comme je te l'ai dit. Tu vas voir, tu vas avoir un merveilleux résultat. Tu veux vraiment avoir à la fin une maille qui centre. Ça va bien finir ton triangle. Donc vraiment, fais-le comme je te l'ai dit. Trust me. Bonjour Céline, que veut dire Dirk Chartsy, le grand carré coloré dans la charte? Attends. Est-ce que tu peux... Je vois pas de quoi tu parles. Attends. Parce que tu as Work Chart C. Ah, c'est peut-être ça que tu voulais dire. Ça veut dire travailler la charte C, d'accord? Donc, la charte C, tu la vois sur la droite, d'accord? Donc, sur ta page 6, pour les tailles XL à 4XL, tu vas voir, c'est simplement la répétition où tu as maille en vert, 3 moucherons, maille en vert, 3 moucherons. C'est exactement ça, d'accord? Donc, oui, vous me tricotez le rang 20. Vous ne vous arrêtez pas avant le rang 20. Je veux que le rang 20 soit inclus, d'accord? Ok. Est-ce que mon gilet blanc, est-ce que c'est la même laine que mon bleu? Alors, je t'avoue que c'est mon gilet... J'adore ce gilet, même s'il commence à ressembler un peu à une serpillière. Non, je l'ai pas tricoté, je l'ai acheté tout fait, il est très très grand. C'est vraiment le cocon tout doux. Voilà. Dans la liste des symboles, il y a le repeat. Qu'est-ce que repeat? Repeat, ça veut dire répéter, tout simplement. D'accord? Donc, c'est l'espace blanc. Donc, ne t'embête pas. Oublie-le, Johan, je sais que ça peut être très très mêlant, on se dirait, mais pourquoi repeat? En fait, c'est comme si dans l'espace blanc, ça veut dire répéter. Tu t'en fiches, Johan, tu vois les indications, ce qu'il y a dans les cases, et tu vas les répéter sur tout ton rang. Ça s'arrête là, d'accord? Rang 22 pour les tailles XL et plus. Il y a Martine qui veut vous faire travailler plus, hein, les autres tailles. Vous pouvez aller jusqu'au rang 22. Tout ce que je veux, c'est que vous pouvez aller même un peu plus loin, d'accord? C'est juste que je veux qu'on ait un objectif que, entre guillemets, soit le plus user-friendly, que le plus de personnes puissent se rendre jusque-là. J'ai calculé que ça fait 2 à 3 soirées de tricot et que vous avez le temps d'avoir une petite vie à côté. C'est ça. Francine qui te remercie, Martine. Ok, allez, donc pour moi j'ai terminé sur cette partie-là. Conseilles-tu de mettre des marqueurs? Oh, ça va en faire beaucoup des marqueurs, mais Anne-Sophie, si vous avez vraiment très très peur, vous pouvez tout à fait mettre des anneaux repères, ça vous permettra de repérer où est-ce que vous avez pu faire une erreur, mais vous allez en avoir en mettre beaucoup, d'accord? Donc mettre un anneau repère, c'est à chaque fois que vous répétez ce qu'il y a dans la charte, vous pouvez mettre un anneau repère, d'accord? Est-ce que tu as pensé à ton Ranunculus? Je pense que je vais le mettre en mars, mais j'ai décidé que 2023 va être une année où je prends tout très relax et surtout je prends le temps de faire les choses très très bien. Donc je vais très doucement. Mais je te promets par contre que quand je vais l'annoncer, je l'annoncerai à la croisée des chemins sur Facebook et tout, et je l'annoncerai parce que tout sera merveilleusement bien fait. Voilà. Quel chandail avons-nous fait le Shadow Wrap pour le revoir? Je ne me rappelle pas. André, je ne me rappelle pas, mais je te promets que si tu vas sur YouTube et que tu fais Shadow Wrap, tu devrais pouvoir le trouver. J'ai dû l'expliquer à un moment comme possibilité, mais je ne me rappelle pas où. D'accord? Les rangs raccourcis m'inquiètent. Si vous vous êtes très inquiète sur les rangs raccourcis, faites d'abord un échantillon jusqu'à ce que ça soit clair comme de l'eau de roche, d'accord? Si vous êtes inquiet,
Je vais vous demander de monter une vingtaine de mailles et de vous amuser à faire ça sur votre échantillon et non pas sur votre pull, d'accord? Comme ça, vous allez vous enlever de l'angoisse et vous allez voir, quand ça sera hyper clair, vous enchaînez, d'accord? Oh, Caroline est très bonne, elle nous dit « Shadow Wrap ont été montrés dans le budding, cours 3 à 37 minutes ». Waouh, ça c'est clair, ça c'est clair. Et aussi dans le cure de vitamine T et dans le KM. Bon, je l'ai montré quoi. C'est vrai que ça peut être compliqué à retrouver, mais là, voilà, Caroline nous dit « Budding, cours 3, 37 minutes » dans la première chaîne que j'avais avec la maison tricotée. Rapido, je vous dis, 18 février, je commence le cal de Jenny Noto pour 15 jours. Pourquoi ? Les beanies de Jenny Noto, je les ai découvertes il y a quelques temps. Je trouve que c'est une designer super intéressante, vraiment, j'ai envie de tout faire. Donc, d'ailleurs, j'en ai déjà commencé, hein, ça, j'en ai déjà fait un. Je suis en train de préparer tous mes petits exemples. Puisque dans le cal, c'est pas un cours, mais par contre, je vais vous donner des techniques. Donc, vous allez voir, elle fait des tuques qui sont super intéressantes, dont le Villa et le Tentacula. Là, j'ai fait le Villa et vous allez retrouver, vous rappelez le petit point de nœud que je vous ai montré, trois ensemble, trois endroits, trois ensemble. Eh bien, le voilà ici, il est dans le Villa. Donc, il se retrouve là, là c'est un petit peu foncé, surtout que je suis sous caméra. L'avantage avec les beanies de Jenny Noto, c'est qu'elle les explique dans plusieurs tailles de laine. Donc là, par exemple, je l'ai fait avec la Noventa de Malabrigo, donc qui est assez grosse. Vous voyez, comme ça, c'est la Noventa qui est assez grosse. Mais elle l'explique aussi pour le faire avec du worsted. Elle l'explique pour faire avec de la très, très grosse. Donc, ça change complètement le patron. C'est comme ça donnait énormément d'emphase quand on est avec les grosses laines et que ça donnait un côté un petit peu plus myriade de points quand on est avec les laines et plus fines. Donc, j'ai trouvé que c'était un travail qui est super, franchement, se donner la peine de réécrire un patron avec autant de points différents, dans des grosseurs différentes, j'adore. Donc, ça va commencer le 18 février, ça va durer 15 jours. Je vais donner quelques techniques le samedi 18, puis je vais voir si vous avez de la peine sur certains autres patrons, ça va me faire plaisir. Vous me direz, hey Céline, donne-nous des techniques. J'ai parlé avec Jenny, elle m'a donné l'autorisation de vous donner les techniques, donc je suis super contente. Le groupe Facebook, il est déjà créé. Sur Slack, il est déjà créé. Jenny vous a donné un code de réduction de 2$ sur ses patrons, pour un patron je pense, à partir du 1er février. Et le code, je l'ai marqué dans le... Je l'ai marqué February Cal, je pense que ça, c'est celui-là. Mais au cas où je ne suis pas sûre, vous pourrez aller voir dans le groupe Facebook et dans le groupe Slack. Donc à partir du 1er février... Vous pouvez télécharger avec une réduction de 2$, je pense que c'est sur un patron, ça fait déjà beaucoup, en tapant ce code-là qu'elle nous a offert pour nous. Voilà, et en plus elle nous a fait des cadeaux. Attendez, où est-ce que je les ai mis? Personne ne bouge. J'arrive, où est-ce qu'elle m'a mis les cadeaux? Où est-ce que j'ai mis les cadeaux? Ah, je reviens. Voilà, donc Jenny nous a fait un cadeau, puis moi je vais bonifier, je vais faire trois cadeaux. Donc je vais faire des petits goodie bags, je vais tirer au sort trois personnes, qui auront participé au cal et qui au bout de 15 jours auront posté une tuque, au moins une tuque qu'ils auront fait. Donc elle nous offre... Regardez, elle nous offre trois pins, donc je les rajouterai à l'intérieur du goodie bags, donc je ferai trois goodie bags. Voilà, donc elle nous offre trois petits pins de ses bonnets. Donc ça c'est le Villa et ça c'est le Unbreakable Vow. Donc j'ai trois petites pins différents.
que je mettrai dans 3 goodie bags avec lesquels je mettrai des choses à l'intérieur. À quelle heure le samedi? Ça sera à 11h le samedi. Ensuite, vous me demandez la laine que tu viens de montrer, c'est laquelle? Alors, celle-là dans la Noventa, elle s'appelle Potion. Elle est absolument magnifique. Il m'en reste une seule, je vous le dis tout de suite. Donc, pour le Villa, il m'a fallu un seul écheveau, d'accord? Normalement, un seul écheveau, c'est nécessaire. Donc, ma tuque là, c'est dans la Light Chunky. Donc, ça m'a demandé une seule. Donc, ça, il m'en reste une. C'est la Potion dans la Noventa. Et celle-là, c'est la Petrichor, donc qui est très proche de la couleur que j'ai pris. Dans celle-là, très très proche de la couleur que j'ai pris. Donc, c'est très intéressant. C'est super beau aussi en uni. J'ai un ocre. J'ai un ocre dans la Noventa qui serait genre trop trop beau. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris des laines comme avec la Rios et la Washed. Tapez Malabrigo dans le site de la maison tricotée, vous allez voir, j'ai pris plein de sortes différentes. Donc vous voyez, ça c'est la Diana, puis j'en ai pris une vraiment funky qui s'appelle la Caméléon. Alors c'est vraiment intéressant, vous allez voir qu'il y a pas mal de patrons de Jenny qui sont intéressants justement s'il y a plein de couleurs. Et il y en a qui sont plus intéressants s'ils sont unis. J'ai vraiment pris tout ce qu'il fallait à ce niveau-là. Est-ce que j'ai choisi le deuxième chandail? Non, pas encore. Puis quand je l'ai choisi, n'oubliez pas que j'ai aussi une étape importante à faire qui est de parler avec la designer pour obtenir le OK. Mais je vous promets, dès que je le sais, je vous le dis. Les laines Malabrigo sont juste sur Guildford, oui. Donc voilà, donc ça va commencer le 18 février à 11h, on va s'en parler, on fera le lancement et puis je vous parlerai donc de la Villa, je vous parlerai de la Tentacula qui est vraiment super intéressante aussi. Moi je vais faire la Tentacula avec la Caméléon. Donc voilà, j'espère, rejoignez-nous dans le groupe sur Facebook ou sur Slack et puis dites-nous un petit peu lesquels vous allez faire. Vous allez voir, il y a un choix extraordinaire à ce niveau-là, quoi. Tous les patrons sont faits pour un seul écheveau? Oui, à peu près. Vérifie, mais oui. Voilà. Ok, je vais vous laisser. Je vais vous remercier vraiment d'avoir fait de mon dimanche matin un aussi bon moment. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça nous permet aussi d'avoir plus de moyens pour continuer notre travail. Et surtout, si vous voulez retrouver les vidéos, c'est beaucoup plus facile. Voilà, je vous remercie. On se retrouve très très bientôt. On se retrouve dès la semaine prochaine ou peut-être que je vous vois en magasin avant. Bye bye.